من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونثل الأمة وجاهد في الله حق جهاد وتركنا على مهجة البيضاء على الطريقة الوادية الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الخالق اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول سبحانه تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères musulmans, chers papas qui sont ici présents, après avoir loué Allah Azza wa Jal, nous le remercions d'avoir encore nous regroupés dans ce lieu béni après la Salat al-Maghrib. Nous allons bénéficier du rappel avant la dernière prière qui est la prière de Salat al-Isha. Allah nous a apporté le Coran comme un rappel. C'est pour cela qu'il a dit « وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَأَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » On t'a envoyé le rappel, on t'a fait descendre le rappel sur toi, Mohammed Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour que quoi ?« لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ » C'est pour que tu expliques clairement aux gens ce dont nous leur avons fait descendre sur eux. Maintenant, une fois tu leur expliques le Coran clairement, maintenant à leur tour, voilà Allahum yatafakkarun. Peut-être eux ils vont méditer, peut-être ils vont réfléchir. Donc le Coran est là pour nous permettre à réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Tous les jours, Allah apporte la nuit. On rentre, on dort. Après maintenant quelques temps, Allah apporte le jour soleil. On se réveille, on part au travail. Après encore quelques temps, la nuit, on revient, on mange, on dort. Après quelques temps, c'est le jour, soleil. On repart dans les activités. Après encore, c'est la soirée. Le soleil se couche, la nuit vient. Mon frère, au fur et à mesure, un jour, voilà toi dans la tombe. C'est pour cela qu'il a dit « Al-haakum takasur hatta zurtumul maqab » Donc, la course aux richesses de ce bas monde vous distrait jusqu'à ce que l'homme va se retrouver dans la tombe. Et quand tu vas te retrouver dans la tombe, comme Allah dit, ka'annahum yawma yarawnaha, le jour que tu vas te retrouver dans la tombe, ka'allam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. C'est comme si tu n'as vécu que une petite matinée ou bien une petite soirée. C'est-à-dire, ça te reviendra en un clin d'œil brusquement. Comme si c'est un matin ou une soirée que tu as fait dans le bas monde. Alors que tu as fait 60 ans, ou 70 ans, ou 80, etc. Donc mon frère, ramène ton cœur vers l'islam. Ramène ton cœur vers le Coran. Ramène ton cœur vers la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ramène ton cœur vers la soumission en Dieu, vers l'obéissance en Dieu. Ramène ton cœur vers la crainte d'Allah. C'est ça le plus grand bonheur. Le reste là, tu vas laisser ça derrière. Qu'Allah nous facilite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qaf wal Qur'an al-Majid. Allahu tabarak wa ta'ala, il a commencé par une lettre que personne ne connaît pas sauf lui-même. La lettre s'appelle Qaf. Personne ne peut pas l'expliquer si ce n'est que Allah. Wal Qur'an al-Majid. Et par un Coran glorieux. Naam. Allahu tabarak wa ta'ala, il jure par ce Coran, il dit, c'est un Coran glorieux. Wal Coran al-Majid. Ce Coran est un Coran glorieux, un Coran de valeur. Naam. Bal ajibu. Mais non, ils se sont étonnés. Pourquoi ils se sont étonnés? Anja'ahum munzir minhum. Un des leurs les est venu comme avertisseur. Faqala al-kafirun. C'est alors que les mécréants disent
هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. Ça, c'est une chose très, très étonnante. Ce verset adresse aux Quraysh, les contemporains du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète s'est levé à la Mecque, après sa vie de 40 ans, Allah lui a élu prophète messager. Maintenant, son rôle, sa mission, c'est d'appeler les gens vers « La ilaha illallah ». Et il a commencé ce travail. Maintenant, son peuple, au lieu de croire, ils se sont mis à côté encore, ils s'étonnent. Ils s'étonnent du travail que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé dedans. En appelant les gens vers la ilaha illallah, au lieu qu'ils vont croire, ils sont là encore, ça leur étonne. C'est là qu'Allah a mentionné cela dans le Coran. بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْزِرٌ مِنْهُمْ. Ils s'étonnent parce qu'un des leurs est venu comme un avertisseur. Donc c'est alors que eux, les mécréants, فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. Ils ont dit, mais Mohammed, ce que tu nous as apporté là, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quelque chose extraordinaire. Ce phénomène continue jusqu'à nos jours. Même dans nos jours, soit dans ton village, soit dans la ville, soit dans un quartier, quelqu'un de famille, vous connaissez au moment où il est né, au moment où il a commencé à grimper, au moment où il a commencé à marcher, au moment où il a commencé à apprendre, jusqu'à il devient maintenant prédicateur, il appelle les gens vers Allah. Ah, les gens vont commencer à dire, ah, aujourd'hui Ahmed est devenu prédicateur. Mais il est né devant nous, comment c'est lui maintenant qui va nous prêcher? Ça va commencer à tatouner, les gens vont commencer à parler, à faire les commentaires qualité, qualité sur lui. Or que c'est la réalité. Naam, c'est un choix de Dieu. Si Allah a choisi, tu ne peux pas changer. Donc c'est un choix d'Allah. D'autres, Allah les a donné la richesse. Mais ils étaient aussi parmi vous pauvres. C'est pas ça. Pourquoi tu ne t'étonnes pas pour cela? D'autres, Allah les a donné le pouvoir. Mais il est élevé, il n'avait pas le pouvoir. Tous les présidents de l'Afrique là, c'était des gens que tous les gens connaissaient. Naam. Mais quand il a commencé à grandir, il n'était pas sur le pouvoir. C'est au fur et à mesure qu'il est devenu président. N'est-ce pas? Donc, comment se fait-il que, en ce qui concerne la parole divine, la parole qui mène vers Allah, quelqu'un qu'Allah a voulu, quelqu'un qu'Allah a choisi, hein, de nous propager, calme Allah, ilaha illallah, c'est ça même qui va nous étonner? Non. Au contraire, s'il nous dit, Dieu a dit, prophète a dit, Dieu a dit, prophète a dit, on devrait lui acclamer, on devrait lui applaudir, on devrait lui soutenir, on devrait lui aider. Non. Parce que quand Allah ou quand le Rasoul, nous avons été créés pour ça. Donc celui qui t'encourage, ce n'est pas quelqu'un que tu vas décourager, c'est quelqu'un à encourager. Qu'Allah nous facilite. Maintenant, dans leur étonnement, au lieu de croire, regardez leurs paroles. Ils disent, « Aïda mitna, toi tu nous dis que nous, on va mourir. » Bon, on est d'accord, on va mourir. Eux-mêmes disent, « Aïda mitna, si nous mourons, wakunna turab, nous allons devenir la terre. » Zalika raja'un ba'id. Maintenant, le retour que tu parles, que ton Dieu va nous ressusciter, ça sera un retour de loin. C'est pour dire qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas, qu'ils croient qu'ils savent qu'ils vont mourir. Bon, maintenant, après la mort, soi-disant qu'ils seront ressuscités debout, sa main là sera comme elle est, son visage comme elle est, ses oreilles, sa bouche, sa taille, sa longueur, son épaisseur, pareillement, et jusqu'à il va bouger, il parle, il s'assoit, hein, il entend, il écoute, il voit, il devient l'être humain complet comme il était dans le dunya. C'est ça là qu'ils ne croient pas. Et même jusqu'à nos jours, il y a ceux qui doutent sur ce point. Mais il n'y a pas de doute. Voilà les ampoules, voilà les ventilateurs, voilà les portables. Les blancs qui ont fabriqué ça, si ça gaspille, est-ce que pour arranger ça, c'est un problème pour eux? Ce n'est pas un problème. Donc on n'était pas là. Allah nous a créés. Bon, maintenant, pour nous réveiller, ce n'est pas un travail chez Allah? Voilà pourquoi Allah va dire « Qad allimna ma tanqusu al-ard minhu. » C'est nous, Allah, qui connaissons ce que la terre rongera d'eux. « Naam. Wa indana kitabun hafiz. » Cependant, auprès de nous, il y a un livre
dans laquelle tout est conservé. Eux, ils doutent qu'une fois nous mourons, nous allons devenir, jusqu'à ils disent dans leurs propos, dans leurs paroles, une fois nous mourons, nous allons devenir la terre. Donc pour eux, une fois ils meurent, leur corps là dans l'ensemble va devenir la terre, c'est fini. Non? Voilà pourquoi ils disent que donc si tu nous parles de retour, que Dieu va nous ressusciter, ça sera très loin, ça sera un retour de loin, ça sera un retour difficile. Donc, Allah de nous dit, c'est nous, Allah, qui connaissons ce que la terre rongera d'eux. Puisque comme eux disent, ils vont devenir la terre, alors que Allah, dans sa science et dans sa volonté et dans son savoir-faire, Allah a fait que, une fois l'homme est enterré, la terre peut bouffer tout ton corps. Mais sauf, il y a une os qu'on appelle l'os caudal en français. L'os caudal là, la terre, Allah l'a interdit de bouffer cette os là. Et c'est à partir de cette os là, Yom El Kiyama, le jour que Dieu va vouloir ressusciter toute l'humanité, le jour là, c'est à travers l'os caudal là qu'Allah va ressusciter tout l'être humain. Donc, cette os caudale, c'est interdit pour la terre de la bouffer. La terre ne peut pas la bouffer. Elle peut bouffer tout le corps, mais sauf l'os là. Mais c'est quoi maintenant l'os caudale? L'os caudale, c'est l'os qui est sur les reins, à l'intérieur de nos reins. C'est elle qu'on appelle l'os caudale. Elle, la terre ne pourra jamais, jamais, jamais la bouffer. Jamais à jamais. Même si tu vas faire 1 million dents au sous-sol, elle est toujours là à sa place. Voilà pourquoi ici Allah dit « Qad allimna ma tankusul ardu minhu » C'est nous, Allah, qui connaissons ce que la terre pourra ronger d'eux. C'est-à-dire ce que la terre peut bouffer du corps de l'homme, c'est moi, Allah, qui connais. Naam. Et le prophète nous a expliqué cela à travers la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est pour nous dire qu'en un mot, l'homme sera ressuscité tout court. On veut ou on ne veut pas, Allah a une puissance, Allah a une science de nous ressusciter. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il a le pouvoir sur toutes choses. Naam. Bal kazzabu bil haqq. Mais Allah dit, mais non, ils ont traité de mensonge la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la ilaha illallah. La vérité c'est quoi? C'est le Coran le Karim. La vérité c'est quoi? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La vérité c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah. Mais les kuffars, et ils ont dit cette vérité, Coran, prophète, Allah lui-même, hein? Ils ont dit non, ça là, on ne peut pas croire à ça. Mais nous croyons à Allah tamannata uzza. C'est comme ceux de nos jours qui traitent l'unicité d'Allah comme faux, mais ils croient au gris-gris du bras, ils croient au gris-gris du cou, ils croient au gris-gris du rein, ils croient à un marabout, ils croient à un charlatan. Voilà. Mais si tu dis non, enlève tout ça là, tu mets à côté, tu crois en un seul Dieu uni, il dit, ah, Oustaz, là, ça, c'est le problème. On va vivre comment? Il n'y a pas protection. Mais la protection, tu as déjà la protection, Allah. Oman et tawakkal ala Allah. Fahoua. Fahoua hasbou. Non. Donc, Allah dit, bal kazzabu bil haqq. Ils ont traité de mensonge la vérité. L'amadja, voilà. Lorsque cette vérité leur est venue. Fahum fi amr al-marid, et cependant, les voilà dans une situation confuse. Quand tu refuses la vérité, tu vas te retrouver maintenant dans une situation confuse. Et c'est la même chose que nos frères qui ont refusé Allah tabarak wa ta'ala de placer leur confiance en Dieu. Tu vas leur voir, ils sont dans une situation confuse. Cela veut dire quoi? Un nouveau marabout est venu hier dans le quartier. Il avait un ancien qui était avec lui. C'est chez lui qu'il partait chaque fois. Il avait placé sa confiance chez le marabout. Maintenant, dès que hier il a entendu, nouveau marabout est venu, demain matin tu lui vois chez lui. Après un mois encore, si l'autre vient, il entend que ah, un autre encore est venu, il va dire non, ceux-là ne connaissent pas le travail. Le troisième qui est venu là,
lui doit être fort. Il part encore chez lui. Donc, à chaque fois, il change les marabouts. Tant qu'il va entendre le marabout est venu, il va toujours partir. Et le marabout va lui donner, lui-là va lui donner son gris-gris, il va prendre. L'autre va lui donner pour lui, il prend. L'autre donne pour lui, il prend. Donc, tous les temps, il est avec les gris-gris. Jusqu'à les gris-gris aient blindé son corps, jusqu'à d'autres gris-gris même, c'est plein dans la chambre. Donc, et sans ces trucs-là, il ne peut pas voyager. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas travailler. Sans les trucs-là, il n'est pas tranquille. Donc, pourquoi? Parce qu'il a délogé sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Donc, fahum fi amr al-marid. C'est comme les Quraysh. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il les a trouvés avec les latamanat al-uzza. Et il leur disait, non, laissez latamanat al-uzza, revenez vers Allah. Revenez vers le créateur de latamanat al-uzza. Latamanat al-uzza et vous-même, Allah vous a créé, c'est pour lui adorer. Mais quand ils ont refusé, comme Allah le dit, fahum fi amr al-marid, les voilà dans une situation confuse. À l'époque, avant que les Mekwas n'embrassent la ilaha illallah, wallahi, quand ils marchent, ils voient le caillou là, ils voient un caillou propre, joli, ils disent non, lui là, il peut me protéger, c'est un dieu, il prend. Ils partent devant, ils voient un autre caillou différemment par rapport à celle-là, ils disent lui là aussi, c'est le meilleur dieu, il prend. C'est comme ça, même le sable, c'est un dieu, la rivière, c'est un dieu, tout, c'est dieu pour eux. Qu'Allah nous en préserve. Donc, Jama, le croyant musulman doit placer sa confiance en Allah wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Sans ça, tu seras dans la souffrance. Tu seras dans une confusion. Tu seras dans la merde. Parce que les marabouts, là, tu ne pars pas chez eux avec mes vides. Tu vas toujours partir avec l'argent. À chaque fois, tu dépenses. À chaque fois, tu dépenses. Et tu n'auras jamais tes problèmes résolus à travers eux. Donc voilà la confusion. Toi tu souffres et tu les amènes. Tu souffres, tu les amènes. Et ce que eux ils te donnent, ce sont des choses qui ne te serviront à rien. Qu'Allah nous facilite à comprendre. Naam. Donc Allah dit, ces gens-là, Awalam yanzuru ila samaa. Naam. Awalam yanzuru ila samaa fawqahum. S'ils discutent au sujet de la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah fait allusion aux Mekwas. Donc, dans ce cas, n'ont-ils pas regardé le ciel au-dessus de Kayfa banayna, comment nous l'avons construit? Wazayyana, nous l'avons enjolivé. Wama laha min furuj, elle est sans fissure. Allahu Akbar. Celui dont les prêches du Coran ne te suffisent pas. Les hadiths du Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne te suffit pas. Allah te demande, regarde le ciel. Kayfa banayna, comment nous l'avons conçu? Wazayyana, on l'a enjolivé. Wama laha min furuj, elle est sans fissure. Regarde depuis avant-hier, hier. Deux jours seulement la pluie, mais tu vois les flambeaux d'eau partout. À Pointe-Noire. C'est pas ça. Mais le ciel, qui nous fait pleuvoir là. Si tu restes 40 minutes, une heure de temps, en observant le ciel, est-ce qu'elle a des trous pour dire que voilà par où l'eau descend? Il n'y a pas. Si tu le souffles là, la mosquée là, s'il y a quelque part qui coule dans la mosquée, par exemple ici là, ça coule. Maintenant, si on commence à regarder le plafond jusqu'au tôle, on va voir le trou par lequel l'eau descend jusqu'à dans la mosquée. Bon, maintenant, le ciel fait pleuvoir la pluie abondante. Mais maintenant, où sont les trous par lesquels l'eau descend? Il n'y a pas. C'est ça qu'Allah nous montre pour comprendre le degré de la puissance d'Allah. Combien de fois Allah est puissant? Et si tu as compris, si tu as médité sur la grandeur de la création du ciel par laquelle la pluie descend, alors qu'elle n'a pas de trou, si tu as médité cela parfaitement, alors si tu ne croyais pas en la ilaha illallah, ça va te permettre de croire. Qu'Allah nous facilite. Naam. Donc c'est pour cela qu'il a dit, Awalam yanzuru ila samaa.
N'ont-ils pas regardé le ciel, Falcon, au-dessus d'eux? Kaifa Banena, comment nous l'avons construit? Wazayana, nous l'avons enjolivé, elle est très jolie. Une partie du ciel est bleue, une partie est blanche, une partie est noire, une partie est rouge. C'est pour cela qu'on l'appelle le ciel arc-en-ciel. Elle a plusieurs couleurs. Ensuite, elle a la lune, elle a le soleil, elle a les étoiles. Donc, toute cette beauté-là, par laquelle Allah a décoré le ciel par Kun Fayakun, ça te suffit à contempler le ciel pour croire en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que Dieu nous facilite à comprendre. Na'am. Donc, Allah dit, Wal arda madadnaha. Si le ciel ne te suffit pas à te ramener vers la ilaha illallah, sa création ne te suffit pas, Allah dit, regarde la terre, Wal arda madadnaha. La terre, nous l'avons étendue vaste. Regarde comment Allah a libéré la terre d'ici Brazza, de Brazza Wessou, Wessou Cameroun, Cameroun Nigeria, Nigeria Bénin, Bénin Togo, Togo Ghana, Côte d'Ivoire. La terre est vaste jusqu'aux États-Unis, au point où l'homme, tu ne peux pas marcher. Est-ce que ça là, ça ne suffit pas comme un ayat pour croire en Allah Tabarak wa Ta'ala? Allahu. Regarde si tu marches 150 km. Finalement, tu seras fatigué. 150 km, tu es en train de marcher. Est-ce que même tu peux parcourir 50 km à pied? Si tu peux parcourir 50 km à pied, 100 km à pied, tu es en train de marcher, sans arrêter, est-ce que l'homme peut parcourir? Non. Donc, tout ça là, ce sont des ayat, min ayat Allah, qui devraient nous permettre à croire facilement en la ilaha illallah. Donc, la terre, nous l'avons étendue. Dans cette terre-là, nous avons enfoncé fermement les montagnes. Regarde les montagnes sur la terre. Regarde les maisons sur la terre. Les montagnes sur la terre. Les arbres sur la terre. Les humains sur la terre. Les moutons sur la terre. Les cabris sur la terre. Les chameaux sur la terre. Les lions sur la terre. Mais regarde tout ce poids-là, la terre a supporté. Allahu Akbar. Hein? Jama, est-ce que ça ne nous suffit pas de croire en Allah Tabarak wa Ta'ala? Regarde tout ce poids. Nous tous dans le quartier-là, si on soulève la mosquée-là, on dit venez, vous tous les habitants du quartier. On soulève la mosquée-là seulement dans le quartier. On nous place sur nos têtes, du matin jusqu'au soir. On peut supporter? Hein? Jama, on ne peut pas. Mais regarde les maisons qui sont à Pointe-Noire sur la terre. Les maisons de Brazza, les maisons de l'Afrique, les maisons du monde entier, la terre a supporté, y compris les montagnes, y compris les animaux, y compris la rivière, y compris les arbres. Regarde les arbres grillés. Regarde leur poids sur la terre. Mais la terre a supporté ça. Est-ce que ça ne lui suffit pas de croire en la ilaha illallah? Wallahi, ça nous suffit. Qu'Allah nous facilite à comprendre. Naam, Allah dit, wal arda madadnaha, la terre nous l'avons étendue, wa alkayna fiha rawasi, et ensuite nous avons enfoncé fermement les montagnes sur elle, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, et nous avons fait pousser des magnifiques plantes de végétaux sur la terre. Naam, des magnifiques plantes de végétaux. C'est quoi? Magnifique veut dire quelque chose qui est très joli. Des végétaux qu'Allah a fait pousser sur le sol, elles sont magnifiques, elles sont jolies, elles sont beaux, comme l'ilan. Quand tu regardes comment Allah l'a créé, c'est joli à regarder. La banane, c'est joli à regarder. N'est-ce pas? Les maniocs, c'est joli à regarder. Les tomates. Et chaque création, comme nourriture, Allah l'a créée avec sa couverture. Il faut enlever maintenant la couverture avant de se retrouver, de retrouver maintenant elle-même la nourriture. Allah a protégé chaque aliment avec sa couverture pour que ça ne gaspille pas. À la disposition de qui? L'être humain. Naam. Tout ça là, ce sont des ayats. Min ayat Allah. Donc, Allah dit, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Nous avons fait pousser de la terre toute magnifique plante de végétaux.
Allah dit tabsirata. Cela, ce travail a été fait, c'est à cause de quoi? Tabsirata. À titre d'appel à la clairvoyance. Ça devrait te donner la clairvoyance. C'est-à-dire, la clairvoyance, c'est quelqu'un qui voit clair les choses. Donc, la création des cieux et la terre et tout ce qu'elle contient, les cieux et la terre contiennent, cette création est à titre d'appel tabsiratan. Tabsiratan, à titre d'appel à la clairvoyance. Ça devrait te donner la clairvoyance à comprendre que c'est Dieu. Dieu existe et il est le seul qui mérite d'être adoré. Wazikra, c'est un rappel également. Donc, quand tu regardes les étoiles, le soleil, la lune, les montagnes, la mer, les rivières, les arbres, les oiseaux, les moutons, les cabris, les chameaux, et tout ce que la terre contient, Allah dit, ça consiste au zikra, un rappel pour toi. Tu dois regarder ça pour que ça te rappelle. C'est comme tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé dans mon portable, quelqu'un qui fait l'ablution qu'avec ses pieds. Celui qui veut après les prêches, je vais lui montrer les images. Lui fait les ablutions qu'avec les pieds. Il n'a pas les deux mains. Les deux mains n'existent pas. Mais il fait l'ablution qu'avec les pieds. Et il tient le bouillard là avec sa bouche. C'est avec la bouche qu'il verse l'eau. Tout celui qui veut voir les images là, après la prêche, tu t'approches de moi, je vais te montrer sur place ici. Tu vas savoir que Allah existe et Allah est puissant. Donc ça veut dire que toi qui as les mains, toi qui as la bouche, toi qui as les oreilles, toi qui as les deux yeux, toi qui as les pieds, toi qui as la force de marcher, tu dois dire quoi? Alhamdulillah, Rabbil, Rabbil Alam. Tu dois remercier Allah, Tabarak wa Ta'ala. Parce que voilà, quelqu'un, lui, n'a pas les mains complètes. Les deux mains complètes n'existent pas. Mais lui, il est reconnaissant. Jusqu'à il prie. Maintenant, toi qui as tout ça là, on dit Allah, Akbar, Allah, Akbar. Tu dis, ah, je dois aller finir tel travail là au bureau d'abord, ou bien au magasin, ou bien je dois prendre ma voiture. Il y avait les clients qui m'avaient appelé de les amener à Dolizy. Au lieu de 150 000, ils ont dit qu'ils vont me payer 450 000 parce qu'ils veulent coûte que coûte partir. À partir de 15 heures, ils doivent être à Dolizy. Donc je vais les amener. Et tu refuses la prière à la mosquée. Bon, celui qui n'a pas les mains, lui revient, il répond à l'appel d'Allah. Mais maintenant, toi qui as les mains, tu as tout. Toi, tu ne vas pas être reconnaissant. Wallahi, dans ce cas, tu fais du tort à toi-même. Man amila salihan fali nafsihi. Wa man asa'a fa alayha. Inna Allah laysa bizzallamin lil 'abid. Si tu fais du bien, tu fais pour toi-même. Si tu fais du mal, le mal là, c'est sur toi-même. Allah n'est pas injuste. Il t'a donné les mains, les oreilles, la vue, les yeux, la bouche, la langue, les pieds, tu marches. Mais d'autres n'en ont pas. Demain, à Pointe-Noire dans la ville, quand tu marches au marché, passé par là, regarde comment Allah a créé d'autres. Et regarde comment d'autres membres du corps leur manquent. Mais toi, tu as tout. Mais tous les temps, tu prends les deux mains, tu mets sur la tête. Ah, maintenant, Pointe-Noire, c'est difficile, le temps est dur. Tu ne fais que crier, tu pleures. Mais maintenant, ceux-là qui n'ont pas les oreilles, les yeux, les mains, les pieds, ils vont dire quoi? Hein? Et ils vont dire quoi? Toi, Allah t'a donné tout. Mais tu ne fais que pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer. Au lieu de dire Alhamdulillah, la ishakartum. La ishakartum, la azidannakum. Wa la inkafartum, inna azabi, la shadid. Wallahi, si on va continuer à pleurer, c'est le mal qui va encore augmenter. Mais si on va remercier Allah Tabarak wa Ta'ala, dans la situation où nous sommes, si tu as un magasin, tu dis Alhamdulillah. Celui qui a deux magasins, dit Alhamdulillah. Celui qui a trois, dit Alhamdulillah. Celui qui a une seule voiture, dit Alhamdulillah. Celui qui a deux, Alhamdulillah. Celui qui a trois, Alhamdulillah. Celui qui loue dans la maison, il dit Alhamdulillah. Celui qui même, lui, par mois, il a déjà payé. Mais maintenant, deuxième mois, il est en difficulté. Il faut toujours qu'il dise Alhamdulillah. Dans ce cas, Allah va améliorer notre vie. Allah va améliorer notre situation. Allah va nous faciliter. Mais si nous tous, celui qui a deux maisons pleure, celui qui a une maison pleure, celui qui loue pleure, celui qui n'a même pas les moyens de louer pleure, nous tous, on est dans les larmes là vont aggravir. Qu'Allah nous en préserve. Naam. Donc, Allah dit, tafsiratan,
C'est un titre d'appel à la clairvoyance ou zikra. Et c'est un rappel, le kul de Abdou Mouni, pour tout serviteur plein de repentir. Wa nazzalna minas samaa'i ma'a. Allah, il reprend encore. Toujours, c'est dans le sens de comprendre la grandeur d'Allah et le bien-être qu'Allah a octroyé aux êtres humains. Le bien qu'Allah a donné aux gens. C'est dans ce sens-là qu'Allah est en train de nous expliquer, n'est-ce pas, un à un, ce bienfait pour nous permettre à se soumettre, pour nous permettre à obéir, pour nous permettre à respecter hein, la soumission vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imagine par exemple, lorsque le frère il a annoncé, ah, il y a les prêches après les deux nawafil, jusqu'à l'heure de Salat al-Isha. Tu crois que s'il avait annoncé que, ah, le prédicateur là, il a amené la mallette, voilà la mallette là, il y a 150 millions dedans. On lui a donné pour partager la zakat, mais la zakat là doit être partagée uniquement pour ceux qui vont écouter les prêches, ben al-Maghrib wa l'Isha. Quand lui va annoncer ça là, donc celui qui va rester pour écouter les prêches, on va écrire son nom. Oui, on va écrire le nom dans le cahier. Et net après Salat al-Isha, on va leur partager la zakat de l'argent de 150 millions. Tu crois que quelqu'un va sortir? Tout ce qu'ils ont dehors là, ils vont oublier ça. Allah Akbar. Mais ce que nous recevons, wallahi, c'est la meilleure distribution. C'est le meilleur nom. Allah dit, wallahu indahu husnul ma'ab. Meilleur lieu de retour, Allah l'a réservé auprès de lui. Tout ce que nous courons, nous sommes en train de courir en avoir là. C'est quelque chose éphémère. Le vrai lieu de retour, c'est auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si tu cherches meilleure chambre, meilleur lit, meilleur fauteuil, meilleur tapis, meilleure femme, meilleur enfant, meilleure assiette, meilleur gobelet, meilleure nourriture, meilleure vie, wallahi, c'est le paradis qu'Allah nous donne. Il faut l'ambitionner ici. On ne la cherche pas après la mort. C'est ici qu'on la cherche. Une fois la mort est venue, c'est fini. Kalam al-Jawf, là-bas, c'est le résultat qui sort. Donc, Jama, soyons prudents avant qu'il ne soit trop tard. Naam. Donc, Allah dit, « Wa nazzalna minas samaa'i ma'a. » On vous a fait descendre du ciel l'eau. Quelle qualité d'eau? C'est tout comme si on avait demandé à Allah, quelle qualité d'eau? Et Allah de nous dire, Ma'an Mubarak, l'eau bénie. Tu as vu? L'eau est bénie. La bénédiction, c'est quoi? Quand on dit telle chose est bénie, la bénédiction ici, c'est quoi? La bénédiction, c'est quelque chose qui est utile, quelque chose profitable, quelque chose que tout le monde a besoin. C'est ça qu'on appelle une chose bénie. Quand on dit l'homme là, il est béni. Il est béni dans la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la famille profite de lui. Quand il n'y a pas le mil, il envoie. Quand il n'y a pas le riz, il envoie. Quand il y a le courant dans les maisons de tout le monde, il n'arrive pas à payer, lui, il envoie l'argent. Il a construit des maisons, il a donné cadeaux, les chambres cadeaux. Il a cultivé les champs de mangue, les champs du riz, les champs de tomates, les champs du riz. Il a cultivé des champs, des hectares. Toute la famille dit manger dedans. C'est une bénédiction, mais ce n'est pas une bénédiction. C'est ça la bénédiction? Oui. Donc, l'eau ici, Allah dit, « Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. » On vous a fait descendre du ciel l'eau bénie. Pourquoi Dieu dit ça? L'eau bénie ici, parce que les gens ne peuvent pas vivre sans l'eau. Sans l'eau, qui peut vivre? Si tu es roi, si tu es riche, si tu es au pouvoir, si tu es ministre, si tu es délégué, si tu es maire, si tu es préfet, si tu es gendarme, si tu es police, si tu es colonel, si tu es tout ce que tu peux être, le matin tu as besoin de l'eau. Tu as besoin d'eau pour se laver. Tu as besoin de l'eau pour faire le café. Tu as besoin d'eau pour laver tes habits. Quelle qu'en soit ta richesse, tu ne peux pas dire parce que je suis riche, je n'ai pas besoin de l'eau. Tu ne peux pas dire je suis président. Donc à cause de ça, je n'ai pas besoin de l'eau. C'est impossible. Tout ce que tu peux être, tu as besoin de l'eau. Donc, Ma'an Mubarak. Allah nous a fait descendre du ciel l'eau bénie. Fa'ambatna bihi jannatin. Voilà. À travers cette eau, on vous a fait pousser des jardins. Wa habbal hasid et des grains comme moissons. Regarde comment Allah nous éclaircit. C'est comme si on était des bébés. Puisque nous faisons sourde oreille
Et on devient aussi aveugle sur la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc voilà pourquoi Allah nous cite un à un les bienfaits qu'il nous a octroyés, les bienfaits qu'il nous a donnés. Regarde les portables. À tout moment, on parle. Mon portable a 50 gigas. Avant-hier, j'ai mon portable, quelqu'un dit, ton portable là, on parlait de quelque chose là, il a dit, c'est combien de gigas? Il a dit 32 gigas. Il dit, non, les gigas là, est petit pour toi. Oui, il me dit, il faut chercher le portable qui a 250 gigas. Il dit, pour lui, il a 250 gigas. Vous voyez? Donc, ces portables là, on les qualifie, ça nous impressionne. On aime ça, on voit sa valeur, la considération, les ventilateurs, les avions, les bateaux, n'est-ce pas? Les tables, tout ça là, on voit la valeur de ça, c'est-à-dire, on considère. Mais est-ce que tu as vu quelqu'un qui parle de l'importance, qui parle du ciel, qui parle du soleil, qui parle de la lune, qui parle des étoiles, qui parle de l'eau, qui parle des montagnes, qui parle du mil, qui parle du maïs, qui parle de l'arachide? Mais pourtant, c'est ça la vie. S'il n'y a pas l'eau, si Pointe Noire, là, on fait un mois, la SCG a coupé l'eau. Toutes les rivières de Pointe Noire sont absorbées, disparues. Quelqu'un va encore rester à Pointe Noire? Hein? Toutes les rivières de Pointe Noire autour de Pointe Noire, il n'y a pas, c'est disparu. C'est comme Allah nous dit dans la Sourate Al-Mulk, dernier verset. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran. Demande-les, comme ils font le gros dos, l'orgueil. Si vous vous levez un matin et que vous trouvez l'eau que vous buvez est absorbée, quel Dieu autre qu'Allah qui pourrait vous apporter de l'eau à boire, de l'eau que vous lavez, de l'eau que vous lavez les habits, de l'eau par laquelle vous construisez vos maisons? Regarde toute maison à Pointe-Noire, quelle qu'en soit sa beauté, c'est à travers l'eau qu'on la construit, vrai ou faux? S'il n'y a pas l'eau, vous allez construire les maisons là-bas. Takbir Gama pour la grandeur d'Allah. Takbir Gama. Allah est grand. Toutes les maisons là, il a fallu avant de construire obligatoirement avoir l'eau. C'est avec l'eau qu'on mélange dans le sable, dans le ciment, pour remuer, pour faire les briques. Et en construisant même, on a besoin toujours de l'eau. Après avoir formé les briques, tout ça là, on a besoin de l'eau toujours avant de construire. Parce que les briques là qui l'exposent l'un sur l'autre, il faut toujours remuer encore le sable et le ciment avec l'eau. Allah. Bon, c'est là où Allah demande. Qul ara'aytum in asbahakum ma'ukum ghawran. Si vous vous levez un matin, vous trouvez que les rivières autour de vous sont disparues. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Quel Dieu autre qu'Allah qui sera capable de vous apporter l'eau? Un kafir est venu devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, selon les muftis du Coran. Il est venu dire, toi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que tu vas nous demander, c'est ce que tu vas nous dire, c'est ce que ton Dieu a dit de nous dire. Mais si ton Dieu prend les rivières, regardez le kafir comment il est bête. Si ton Dieu fait disparu les rivières, on va prendre la pioche, on va piocher la terre. Et on va sortir sur nous. Si ce n'est pas un bête, qui va dire ça? L'eau qui est au sous-sol, c'est lui qui a mis ça ou bien c'est Allah? C'est Allah! Donc si Allah a fait disparaître les rivières, même si vous piochez la terre, Allah va faire en sorte que vous n'allez pas trouver l'eau. Vous allez piocher 100 ans, vous n'allez jamais sortir sur l'eau. Et même si vous sortez sur l'eau, ce n'est pas vous, vos idoles qui ont mis l'eau là-bas, c'est Allah. Non. Il a fini de dire ça devant Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que nous allons piocher la terre et on va sortir sur l'eau. Il a fini de parler ça seulement. L'eau de ses yeux, Allah a fait que l'eau de ses yeux est devenue sec, c'est disparu. Et il est devenu sur place aveugle. Tu sais, chaque personne a l'eau dans ses yeux. Quand tu pleures, les larmes qui coulent là, c'est toi qui as mis l'eau là. Tu connais le travail de cette eau? L'eau qui sort dans nos yeux là, quand tu pleures, qui coule là. Tu connais son travail, son rôle? Son rôle, c'est quoi? C'est elle qui donne la vue. Par la permission de qui? Allah. Non seulement elle te donne la vue, c'est elle qui fait en sorte que toute saleté qui rentre dans nos yeux, c'est ça qui lave. Elle est là pour enlever ça. C'est pour cela, des fois, quand tu dors, tu vois à côté ici, là, hein,
ça a lavé les saletés là où ça a mené ça à un lieu. Quand tu fais comme ça là, tu fais quitter, comme le caca. Regardez, regardez jusqu'à quel niveau Allah aimait l'homme. C'est la raison pourquoi Allah dit Wallahu latifun bil ibad. Allah, il est affectueux envers ses serviteurs. Allah, il nous aime. Il y en a d'autres qui ont refusé même la prière. Ils ont refusé l'islam, ils ont refusé le Coran, ils ont rejeté toutes les lois islamiques, ils s'en foutent. Mais Allah leur donne les enfants. Allah leur donne la nourriture, leur champ, ça pousse. Leur femme accouche, le sommeil, la nuit. Chaque fois, Allah les distribue. Si c'était un être humain, il va les empêcher tout ça là. Mais Allah, il s'en fout. Wallahu latifun bil ibad. Allah, il est affectueux envers ses serviteurs. Qu'Allah nous facilite. Naam. Donc, wa nazalna min as-sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannati wa habbal hasid. Wa nahala basqatin. Allah dit encore une fois de plus, des hautes palmiers. On vous a donné des hautes palmiers, les dattes, parce que les arbres de dattes sont très longs. C'est ça qu'il parle ici. Que wa nahala basqatin. Je vous ai donné aussi des dattes. Et les dattes là, non seulement les fruits des dattes, quand tu manges, il y a le goût. Après le goût encore, ça te permet de rassasier. Après avoir rassasié, tu prends l'eau d'Allah encore, tu bois. Est-ce que ce Dieu ne mérite pas qu'on lui adore? Ce Dieu-là ne mérite pas. Lorsqu'on prêche pour que l'homme reste pour écouter, Allahu Akbar. Ce Dieu qui a fait ce travail, il ne mérite pas que son Coran là, on reste écouté. Regarde tout à l'heure, nous tous, à 22h30, 23h, tout le monde sera sur son lit. C'est pour chercher quoi sur le lit? Le sommeil. Qui va t'apporter ça? Allah. Allah que tu as refusé, tu n'as pas le temps pour rester 45 minutes dans la mosquée, pour écouter sa parole. Maintenant, à 23h, tu montes sur le lit, tu cherches que Dieu t'apporte le sommeil. Maintenant, si Allah te refuse le sommeil parce que tu avais refusé d'écouter son Coran, tu vas faire quoi? Quel docteur qui va te donner le sommeil? Dans le monde là, quel docteur? Qui va te donner le sommeil? Il n'y a pas. Est-ce que ce Dieu-là qui nous distribue le sommeil cadeau, ce Dieu-là ne mérite pas qu'on s'assoie pour écouter sa parole? Wallah, il mérite plus que ça. Qu'Allah nous facilite. Naam. Donc, on est à la basikot. Allah dit, je vous ai donné des hautes palmiers. Laha tol on a dit, tu as vu, au régime superposé. Allah même a qualifié les dates là. N'est-ce pas? Elles sont au régime superposé, c'est-à-dire les uns sur les autres, les uns sur les autres. Et quand tu regardes le régime des dattes, c'est ça. Vous qui connaissez les dattes, le palmier qui donne les dattes, Allah dit, Laha tol unnadid. Elles sont au régime superposé, les uns sur les autres. Même les palmiers des noix qu'on fait, les noix rouges, là, c'est les uns sur les autres. Allah Akbar. Allah dit, je vous ai fait tous ces cadeaux. Vous n'allez pas me remercier, c'est ça le sens. C'est pour cela qu'il va dire Rizqan lil ibad. C'est une subsistance pour mes serviteurs. C'est une richesse. C'est une nourriture. Rizqan lil ibad. C'est une nourriture, une richesse pour les serviteurs. Comme je disais tout à l'heure, après avoir mangé les dattes, le ventre est plein, alors qu'auparavant tu avais faim. Maintenant tu prends l'eau, tu bois. C'est en ce moment-là que ça te donne la force pour travailler. Ça te donne la force pour être sur le cheval, pour être sur le chameau, pour être au champ, pour cultiver. Ça te donne la force pour construire. Ça te donne la force pour cultiver. Mais s'il n'y a pas cette nourriture. Parce que quand Allah parle, ça c'est la nourriture des Arabes. C'est la nourriture des Mekwa. Et ce sont ceux-là encore qui ont refusé la ilaha illallah. Ils disent que la tamanna ta'uza, c'est ça qui est lieu. Voilà pourquoi Allah les cite un à un des exemples palpables. Des exemples indiscutables. Donc, mon frère, toi aussi qui es à Pointe-Noire, il ne faut pas trop s'occuper de ton magasin. Il ne faut pas trop s'occuper de ton travail. Il ne faut pas trop s'occuper de ton commerce. Il ne faut pas trop s'occuper de ta femme. Il ne faut pas trop s'occuper de tes enfants. Il ne faut pas trop s'occuper de l'argent que tu cherches, que tu gagnes au profit de la ilaha. Ce n'est pas moi qui te dis ça, c'est le Coran. Ya ayyuhallazina amanu, la tulhikum amwalukum. Voilà, Allah de Kum, un zikirullah. Waman yafa le zalik, fa ulai kahumul hasibul. Tu as vu? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils s'occupent du bien-être de ce bas monde au profit de la ilaha illallah. Alors que le bien-être
le jour de la mort, tu les laisses derrière et tu pars. Combien de gens qui ont laissé leur vie? Combien? Combien de gens? Naam. Aujourd'hui, les Toumani Touré, on ne les voit plus. Les Ibeka, on ne les voit plus. Allah Akbar. L'autre là, le colonel. C'est pas Kadhafi, toujours dans les mêmes rangs. Moussa Traoré. Le général Moussa Traoré, ils sont où? Regarde même, les gens les ont oubliés même. C'est comme si non, Allah dit comme ils n'ont pas vécu hier, alors que c'était des gens illustres, des gens de grand valeur. Mais ils sont où? Ça ne te donne pas la leçon? Nous, on a prié Douma, wallahi, avec Toumani Touré, à même mosquée, à Libreville. Wallahi, le jour là, on a mis les militaires depuis au palais, à droite, à gauche, les militaires debout, avec les fusils, depuis vers 11h, depuis palais présidentiel jusqu'à la mosquée, à cause de Toumani Touré seul. Le jour là que les étrangers ont eu la grande valeur, à cause de lui, que Allah lui pardonne. Jama, il faut dire amen. C'est un frère musulman comme nous, il est mort. Nous aussi, on va mourir. Allah est capable de lui pardonner s'il n'est pas mort avec le shirk. Quels qu'en soient les péchés, si ce n'est pas le shirk, Allah peut te pardonner. Donc, si on dit que Dieu lui pardonne, nous avons intérêt de dire amen, que Dieu lui pardonne. Et puis, si tu fais le doua pour un frère à toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le doua là revient sur toi-même. Regarde combien de fois on se fait l'avarice à nous-mêmes. Qu'Allah nous assiste. Allah dit, Rizqan lil ibad, c'est une richesse pour mes serviteurs. Tous ces bien-être qu'Allah vient de nous citer, il dit, c'est une richesse pour nous. C'est une richesse qui nous profite. Ça ne profite pas à Allah lui-même, mais ça nous profite. Naam. Allah dit, wa ahayna bihi balbatan mayt. À travers cette eau, on a redonné la vie à une contrée morte. À travers l'eau, la terre qui est sec, qui ne donne rien, Allah tabaraka wa ta'ala redonne la vie. Allah fait pousser à travers l'eau, Allah fait pousser sur la terre le maïs, le mil, le sorgho, le riz, les arachides, les haricots, etc. Naam. C'est ça qu'il dit ici. Wa ahyayna bihi baldatan maytan. Donc c'est ainsi que vous allez sortir des tombes. Allah Akbar. Naam, on a la basket. Allah dit les hautes palmiers que je vous ai donné, la hotel on a dit au régime superposé. Rizqan lil ibad, c'est une subsistance pour mes serviteurs. Wa ahyayna bihi baldatan mayta. Et à travers cette eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Kazalikal khuruj, ainsi vous sortirez des tombes. Kazabat qablahum qawm nuh. Avant eux, les gens de Noé ont démenti leur prophète Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire avant
les Quraysh, les gens de Nabi Hinou, ils l'ont démenti. Ou Ashab Ras, les gens de Ras, ils ont démenti aussi leur prophète. Ou Samoud, les Samoud ont démenti leur prophète. Ou Ad, les Ad ont démenti leur prophète. Ou Pharaon, Pharaon aussi a démenti Nabi Moussa alayhi salatu wa salam. Ou Ihwan Lout, Nabi Lout, ses frères l'ont démenti. Ou Ashab Al-Aïka, les gens de Al-Aïka aussi ont démenti leur prophète. Ou comme Touba, les gens de Touba aussi ont démenti leur prophète. Kulun kazzaba rusula. Allah dit tous, ils ont démenti leur prophète. Fahakka wa'id, ainsi que ma menace se justifia. Jama, vous comprenez? Tous ces prophètes-là, chaque prophète qui vient à son peuple, il lui dit, toi, tu es un menteur. Chaque prophète, jusqu'à nos jours, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, est-ce qu'on lui a accepté facilement? Non. Et voilà jusqu'à les preuves, jusqu'à présent, voilà les koufars qui sont là. Chaque pays, il y a les koufars. Jusqu'à présent. Jusqu'à même, ils s'étonnent de nous, les musulmans, qui disent « La ilaha illallah ». Ils s'étonnent de nos ablutions. Ils s'étonnent de nos prières. Ils s'étonnent de notre carême. Ils s'étonnent de notre croix. Ils s'étonnent de tout pour tout, pour tout, pour nous. Allahu Akbar. Hein? Alors que c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui a créé la terre sur laquelle ils sont, leur nourriture, leur eau. Comme nous venons d'entendre, « Rizqan lil ibad ». Tout ce que Dieu vient de mentionner, Allah dit, c'est une richesse pour nous que lui-même nous a donnée. Mais pourquoi nous sommes méconnaissants? Quelqu'un qui va t'amener du pays, et tu arrives seulement, il te fait la carte de séjour. Après la carte de séjour, il te ouvre un magasin, il met les marchandises de 150 millions. Après ça, il avait déjà construit une belle maison, il t'a donné cadeau, il dit, tu vis dedans. Après ça, il t'a fait le mariage. Bon, maintenant, est-ce que cet homme-là encore, à la fin de fin, tu vas lui désobéir, tu vas lui faire du mal, tu vas draguer sa femme, tu vas lui gifler, tu vas être quelqu'un qui fume la cigarette, tu lui jettes la fumée sur son visage, tu vas lui dire imbécile, tu vas lui insulter, tu vas lui... Mais tout ce qu'Allah nous a donné, est-ce qu'on peut calculer? Mais pourquoi nous sommes méconnaissants envers Allah Azza wa Jal? Même pour rester écouter sa parole, ça devient protocole. Et si l'homme était malade, on lui amène à l'hôpital. Le docteur lui dit, bon, ta maladie là, on a fait tous les examens, on a fait tous les tests. Mais tu vas faire 3 mois sur le lit ici. Si tu es d'accord, on te soigne. Si tu n'es pas d'accord, allez. Bon, cet homme-là, il va accepter le docteur ou il ne va pas accepter? Hein? Mais tu vas accepter le docteur pour rester 3 mois au lit, à l'hôpital, sans bouger. Parce que quoi? Parce que tu cherches quoi? La santé. Mais à l'instant, Allah t'a donné la santé. Reste à la mosquée 45 minutes pour écouter la parole du Coran. Jusqu'on te dit pardon. Par une... Ah, vous me l'avez con. Moi, j'ai les programmes, on a fini la prière de Maghrib. Tu me dis de rester à la mosquée pour faire quoi? Allahu Akbar. Allah dit dans ce sens, « Inna l'insana li rabbihi la kanoud. Wa innahu ala zalika la shahid. » Oui, c'est incroyable. À tout moment, les gens n'ont pas le temps pour rester écouter la parole de leur Seigneur. Mais ils ont le temps. S'il était parti chez le procureur pour son problème, et que le procureur dit, bon, comme c'est moi qui t'a promis de venir, on va parler sur ton cas, et je vais voir comment je vais t'aider pour éteindre l'affaire là. Mais attends-moi ici, tu es parti depuis le matin, le procureur te dit, attends-moi ici jusqu'à 13h. Regarde, depuis 8h jusqu'à 13h, ça fait combien d'heures du temps? En ce moment, tu vas attendre, mais tu ne vas pas attendre. Tu vas attendre, parce que tu veux que ton problème soit résolu par le procureur. Mais comment tu ne peux pas attendre dans la mosquée? Tu dialogues avec Allah. Parler avec le Coran, c'est comme si on parle avec Allah. Allah Akbar. Hein, Jama? Ça là aussi, tu refuses le grand rahma comme ça là? Si le président t'a promis, viens dans mon bureau. Et quand tu arrives, le président dit, bon, tu vas rester avec moi ici, du matin à 8h jusqu'au coucher du soleil. Tu vas accepter ou bien tu ne vas pas accepter. Tu vas dire, mon président, voilà tes saluts. Salut président, je suis là. Même si c'est demain matin, président, je suis là. Mais celui qui a créé président, c'est sa parole qu'on te présente. Tu refuses, tu n'as pas le temps. Tu auras le temps quand? Dans la tombe, wallahi, dans la tombe, on n'écoute plus les prêches. Hein? Dans la tombe, c'est fini. Le résultat que tu as amené, c'est ce résultat-là qu'Allah va te donner. Ce que tu as amené là, c'est ça qu'on va te donner comme réponse, comme résultat. Si tu es bon, c'est bon. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, arrange ta situation dès maintenant, avant le jour de la mort.
Sinon, tu vas regretter qu'Allah nous en préserve. Naam. Allah dit, « Afa'ina bil halq al-awwal » Avant, nous étions fatigués par la première création, « Balhum fi labs » Maintenant, ils sont dans la confusion, « Min halq al-jadid » d'une nouvelle création. Ici, ce verset veut nous dire quoi? Comme eux, ils disent qu'ils ne seront pas ressuscités. N'est-ce pas? C'est là où Allah tabaraka wa ta'ala, il est en train de nous demander, de leur demander, dans l'ensemble, ceux qui doutent qu'après la mort, ils ne seront pas ressuscités. C'est là Allah leur demande, « Afa'ina bil halq al-awwal » Avons-nous été fatigués par la première création? « Balhum fi labsin min halq al-jadid » Maintenant, ils sont dans la confusion au sujet d'une nouvelle création. Naam. Allah, lui, c'est une facilité pour lui. Mais qui envoie ce petit comme ça? Regarde comment il a embrouillé toute la mosquée. Subhanallah. Imam n'est pas là, papa. Je pense qu'il est l'heure, non? Hein? À 30, hein? Allah dit, « Walakad halakna l'insan » Nous avons créé l'homme. Tu as vu? L'homme, il faut écouter maintenant. L'homme, le Coran t'interpelle dans ce verset. « Walakad halakna l'insan » L'homme, on t'a... Tu as vu? L'orgueil que tu fais là, je suis tel, j'ai tel, c'est moi tel. Allah dit, c'est moi qui t'a créé. Assurément, walaqad khalaqna l'insan. Nous avons créé l'homme. Wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Ce que ton âme te suggère à l'intérieur, caché là, Allah dit, je connais. Là où je suis en train de prêcher, si dans ton âme, c'est considérable, Allah connaît. Si dans ton âme, c'est pas considérable, Allah dit, je connais. C'est ça qu'il est en train de dire. Walaqad khalaqna l'insan. Nous avons créé l'homme et nous connaissons ce que son âme le suggère. Donc, à l'instant où tu es assis sur place dans la mosquée, si cette parole de Dieu est considérable au fond de l'intérieur de ton cœur, moi, Al-Qasim, qui est en train de vous prêcher, je le connais. Mais Allah lui connaît déjà. Donc, chacun doit faire très attention avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que c'est pour te dire que rien n'est caché envers Allah. C'est pour cela quelque part il dit wa asiru qawlakum aw jahharu bihi innahu alimun bi zati sudur. Divulguez vos langages, divulguez vos paroles ou cachez-le au fond de l'intérieur du cœur. Moi Allah, je connais le tréfonds de vos cœurs. Tu peux tu rire avec lui là alors que au fond tu le haïs, tu ne l'aimes pas. Ton cœur est noir envers lui, mais ta bouche est souriant. Ta bouche est blanche, tu ris. Jusqu'on voit tes dents blancs. Mais entre-temps, au fond du cœur, c'est noir plus que le feu, le charbon noir. Mais Allah lui connaît déjà que du fait que tu es en train de sourire avec telle personne, en réalité, tu ne l'aimes pas. Tu as déjà creusé un trou là-bas, tu as mis les faux trucs pour qu'il parte piétiner là où il passe pour rentrer chez lui, comme on faisait à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ce qui est attrait à l'intérieur du cœur, Allah dit, il connaît. C'est pour cela qu'il va te dire, « Wa nahnu aqrabu ilayhi min habl al-warid » Nous sommes plus proches de lui que ses veines jugulaires. Les veines jugulaires, c'est les veines d'ici. Les cordes qui se trouvent à l'intérieur du cou. Donc si toi-même, si tu touches, tu vas les sentir qu'il y a certaines veines, certaines fils à l'intérieur du cou de chaque individu. Allah dit, il est plus proche de toi que ses veines. Subhanallah. Allahu Akbar. C'est Allah qui te dit ça. Tu ne vas pas le craindre. Qu'Allah nous facilite. Il dit, lorsque les deux recueillants sont en place. Allahu Akbar. Tu entends? Ani al-yamin, l'autre à droite. Wa ani al-shimal, l'autre à gauche. Qa'id, ils sont assis sur place. Mais qui sont ceux-là? C'est les anges. Quels anges? Rakib et Atid. C'est de cela qu'Allah est en train de nous parler. Que Iziatolok Kolmutalakiyan, Anil Yamin, ou Anil Shimal Kwaid, lorsque les deux recueillants, qui ne sont que les anges, ils sont sur place, l'autre à droite, l'autre à gauche. Cependant, sachez que Mayal Fizmin Kaulin,
illa ladayhi raqib atid. Aucun mot ne sera prononcé de qui que ce soit, sauf que près de tes mots, il y a des observateurs qui sont prêts à l'inscrire. Ça veut dire, Allah il est en train de nous informer. Toi, tu travailles peut-être avec Traoré. Mais à son absence, dès que certains frères viennent, tu commences à mentir sur lui. Mentir sur lui. L'heure, hein? Bon, je termine ce mot-là. Tu commences à mentir, tu mens sur lui. Mais il faut savoir que les paroles que tu parles là, il y a des malaïka qui notent. Et c'est ça que Dieu va te juger au Malkiyam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk.